Sur le web, en actu, bien sûr. Ben, y a un visage et un nom qui circulent beaucoup depuis Alex hier. Jaffray, c'est celui. En 2020. Oui, moi je vois là. Si, mais en deuxième, depuis hier soir, il y a Tom Leb. Hein, qui est Tom Leb? Eh bien, c'est le lui fils qui représentera la France à l'Eurovision le 16 mai prochain à Rotterdam. C'est le fils? C'est le fils, oui, exactement. De Bernard Tapie. Il a 30 ans et voilà, c'est donc lui qui représentera la France. Ouais. On ne connaît pas encore la chanson. Pour les téléspectateurs de Télématin, si, parce que Damien Thévenot l'avait rencontré. Ouais. Voilà, qui a toujours le nez creux, et bien avait fait un portrait de lui il y a quelques temps. On lui dira. Arrêtez. Et il est beau gosse, c'est bon. Il est beau gosse, il chante bien. Alors, je écoutez, vous entends plus parler, Anna. C'est parce qu'il est complètement validé par la Fédé. Ah, d'accord. Voilà, ouais. Exactement. C'est et alors, on n'a pas encore la chanson 85. De l'Eurovision, mais on peut écouter un extrait de son album Recollection sorti l'année dernière. Voilà, un joli petit brin de bois. Depuis Marie-Myriam, on a gagné ou pas? On a jamais. Non, Marie-Myriam, on n'a jamais gagné depuis Marie-Myriam. Non, on est toujours dans les. Dans les derniers. Dans les derniers, enfin. Dans les 70 en partant du milieu. Voilà, donc Tom Leb, le 16 mai prochain, vous allez le voir, l'entendre là pendant 4 mois. Donc voilà, c'était une première, mais ce n'est pas la dernière fois que vous le voyez et l'entendez. On est prévenus, pour ceux qui n'aiment pas. Mais voilà, c'est un beau champion pour la France.